Vous avez donc lu ce texte qui conclut le chapitre 12 et commence le chapitre 13. Encore une fois, la notion du temple est très importante. Le temple, c'est le centre spirituel du peuple juif. Il a déjà été détruit une première fois en 587 avant Jésus-Christ, du temps du prophète Jérémie et du prophète Ézéchiel. Il a été détruit par qui? Par les Babyloniens. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a assiégé Jérusalem et détruit le temple de manière à disperser le peuple d'Israël. Donc le drame de la destruction du temple a déjà eu lieu en fait. Et c'est au retour d'exil, en 515, puis dans les années qui ont suivi, qu'on a reconstruit le temple, de manière modeste d'abord, et puis de manière grandiose, avec Hérode le Grand, un roi, en fait pas juif, un roi iduméen, qui a pris le pouvoir sur le peuple d'Israël de manière indue, et qui, pour se faire bien voir des Juifs, a fait construire de manière splendide le temple de Jérusalem. À l'époque de Jésus, il n'est pas terminé, il sera terminé même après la mort et la résurrection de Jésus. Quelques années après, en 70, les Romains le détruiront de nouveau, et c'est le grand drame d'Israël, puisqu'il ne sera jamais reconstruit. Donc devant ce temple, dans ce temple, Jésus voit une pauvre veuve qui met une offrande de 2 piécettes, image de ce que nous sommes appelés à faire, donner non pas de notre superflu, mais de notre indigence. Hein, c'est donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Le Seigneur nous invite à cela et nous invite à lui faire confiance, à lui donner en fait notre vie. Hein. Quand on dit, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, qu'il a faim et qu'il voudrait manger le fruit du figuier ou recevoir le produit de la vigne, en fait, il a faim de moi, il a faim de nous, il a faim de ce peu de choses que nous avons et que nous sommes. Peut-être que nous ne nous sentons pas à la hauteur, mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et qu'est-ce qui est à Dieu? Nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous devons entrer dans ce discours eschatologique au chapitre 13 sans aucune peur, mais avec beaucoup de confiance. Hein? Même si tout doit passer, même si tout doit être détruit, Jésus dit au verset 11 du chapitre 13, ne vous tourmentez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit. Donc première leçon. Lorsque tout semble aller mal, appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Il est notre guide, il est notre force. Ensuite, verset 13, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Il faut de la persévérance. Souvent dans la foi, on démarre sur les chapeaux de roue, on est peut-être très enthousiaste, puis on rencontre des difficultés, on est déçu par les uns, par les autres. Il faut tenir, il faut persévérer. C'est normal d'être déçu par les autres, c'est normal d'être déçu par soi. L'Église n'est pas une société de gens parfaits. Le premier imparfait, c'est moi. Et nous devons tenir dans les épreuves, dans les difficultés, dans les déceptions. Croire, c'est tenir, c'est continuer, c'est persévérer. Au milieu de tout l'effondrement du monde et de Jérusalem, au verset 26, Jésus dit, on verra alors le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde et de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Là aussi, alors que tout s'effondre, Jésus vient et avec tous les anges, il va rassembler tous les élus. Donc il faut, devant notre mort, ou devant la fin du monde, ou devant les guerres, ne pas nous décourager. Jésus est le maître de l'histoire. Il est le maître du temps et il va conduire toutes choses vers son rassemblement et vers sa paix. N'ayons pas peur. Il dit au verset 31, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Faites confiance à ce que je dis. J'ai promis que je serai là avec vous tous les jours. Je serai là. Faites confiance à mes paroles. Et puis surtout, dernière instruction, veillez. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez donc, veillez. Non pas comme Pierre, Jacques et Jean qui vont s'endormir à Gethsémani dans le jardin. Dans l'épisode suivant, Jésus, après le repas qu'il va instituer, il va emmener ses disciples à Gethsémani et il va leur donner comme instruction, à Pierre, Jacques et Jean en particulier, veillez une heure avec moi, ils n'y arriveront pas. Acceptons-nous de veiller.
avec Jésus, de tenir bon dans la prière, de compter sur la force de l'Esprit-Saint, de faire confiance aux paroles du Seigneur, acceptons-nous, comme la pauvre veuve, de lui remettre tout, même nos peurs, même nos péchés.